Les marins ne savent pas nager. Un texte de Dominique Scali aux éditions La Peuplade. Nous vivions sur une île où tous dépendaient de la mer, où même les terriens se vantaient d'être marins. Et pourtant, personne ne savait nager. Pour les Grecs de l'Antiquité, la capacité de nager était une vertu militaire et civique. Les gamins étaient bercés des récits de batailles gagnées ou d'échappées réussies grâce au talent des guerriers nageurs de leur cité. Pour les Romains, la natation devait figurer sur tout curriculum, au même titre que l'écriture et la lecture. Un citoyen digne de ce nom ne craignait ni de plonger, ni de se mettre à nu face à ses adversaires perses ou barbares qui refusaient de se démunir de leur plastron et restaient enchaînés à la côte. À Is, ceux qu'on appelait les premiers hommes furent les premiers à renouer avec cette idée. Leurs poupons étaient baignés dans l'eau si jeunes qu'ils n'oubliaient jamais ce qu'ils avaient appris dans le ventre de leur mère. Ainsi, leurs petits entraient dans le métier avec une aptitude que peu de gens possédaient. Ce don, Danaé Bérubé portant en gain, dite Poussin, le possédait. On nous dit qu'elle a été enfant du rivage, naufrageuse sans scrupules, secoureuse sans limite, fille de pilote, mère d'orphelin, héritière d'une arme dont elle ne sut jamais se servir à temps. Mais qui était Danaé Poussin ? Is est une île. Is est unique. Aux origines, elle ne figurait sur aucun portulan. Elle n'était connue que des chasseurs de baleines, prêts à poursuivre le cétacé jusque dans ses lointaines fugues. Ils étaient les marins les plus hardis de leur époque. Ils n'avaient pas intérêt à ce que leurs concurrents puissent situer l'île sur une carte, mais tout avantage à ce que les puissants crussent sa route jalonnée de sirènes venimeuses ou de chutes abyssales. L'île avait eu plusieurs noms, un dans chaque langue et dans chaque patois. C'est son nom breton qui, marée après marée et décennie après décennie, finit par être adopté de tous. Peut-être parce qu'il était le plus court, ou parce qu'il frappait l'imaginaire, ressuscitant le souvenir d'une cité mythique et sublime, engloutie sous les eaux pour avoir été trop païenne. C'était avant le temps des découvrances, avant que les galions espagnols revinrent de l'autre côté de l'océan chargés de trésors, avant que les Portugais y construisissent une muraille percée de bouches à feu, avant que l'île devint le principal relais au cœur des traversées. Le repère des ravitaillements des pirates, le lieu de liquidation clandestine des corsaires qui ne souhaitaient pas voir l'entièreté de leur butin confisqué par des fonctionnaires tatillons. C'était avant que les Anglois et les François se la disputassent et la ceinturassent encore davantage de remparts, toujours plus nombreux et élevés, qui contrôlaient les forts et la muraille contre les Is, qui contrôlaient Is contre l'Atlantique. Mais personne ne parvint jamais à contrôler les Issois. Servan Jurian avait l'oreille dure, mais le regard perçant. Une goélette se découpait dans le sentiment de la mer. À le voir s'y ranger si près de la côte, c'est un léger. Trop léger pour être guerrier, ce n'a point de canon, c'est trop grand pour être un colporteur. Ça pourrait être du pêcheur de grand vent, mais son garde nombreux sur ce pont. Mais t'as vu que c'est du caboteur, conclut l'aîné. Du caboteur honnête ou du caboteur malhonnête, insista la patronne. On va bien le savoir assez vite. Un canot se détachait de la hanche de la goélette, manié par un garçon et à normes dans un tricorne bien rigide. Il ne prit pas le temps de retirer son chapeau et de procéder aux salutations d'usage. La diluvienne prenait l'eau et ils étaient incapables de trouver la source du problème.
Ils avaient besoin de quelqu'un qui pût inspecter les coutures sous la ligne de flottaison. Je sais qu'il y a une fille de chez vous qui s'est plongée. Une jeune fille que j'ai croisée quelquefois en bouche. Danaé farça le passage. C'est moi. Mademoiselle, fit-il en retirant son tricorne. Croyez-vous que pourriez nous rendre ce service ? Oui, je vais le faire, s'empressa-t-elle de répondre, avant de se sauver vers le haut de la grève, tenant ses jupes pour mieux courir. Craignez pas, elle va revenir, dit Chervan Jorian, des yeux rieurs. Elle est partie se mettre en habit de sirène. Danaé Poussin plongea depuis la plage, toucha la coque du navire avant que le canot et ses deux rameurs ne l'atteignissent. Elle détecta à l'avérie sur le flanc en tribord, près de la poupe, une griffure de roche peu profonde, mais longue. L'équipage se donnait contre le pavois, guettant ses mouvements, des têtes sombres dans le contre-jour. On lui passa par-dessus bord de quoi colmater la fuite. Elle cloua une plaque de cuivre sur la voie d'eau pour l'aveugler. Elle grimpa l'échelle de corde, marteau en main, attrapa la forte poigne qu'on lui présentait. Dès qu'elle eut enjambé la rambarde, l'homme qui l'avait hissée s'éloigna à la hâte. Son large dos disparut dans l'ouverture carrée qui trônait au milieu du pont. Renaud Bertis et le garçon patientaient sur le tillac, appuyés chacun sur un hauban. Ils regardaient partout, sauf dans la direction de la jeune femme au sein nu. Elle se tenait droite, retrouvant peu à peu son souffle, trop fière pour être consciente de son impudeur. Elle venait de sauver un bateau. Aucun niçois n'eût pu lui dire de baisser les yeux. Le caboteur fit un signe de tête aux mousses qui se dépêcha de retirer sa chemise pour la lui tendre. Elle essora ses cheveux, enfila le vêtement, tandis qu'un cri de joie retentissait sous leurs pieds. Le débit avait baissé. La réparation de fortune avait réussi et pouvait tenir jusqu'à leur port d'attache.